Choose your character! Hey, salut à tous, c'est Kat et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Evil Genius 2 World Domination. Il vient de sortir sur le Game Pass. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite découverte parce que ça peut être sympa. Ce jeu vous dit peut-être quelque chose puisque le JDG en a fait une petite vidéo, il me semble, je sais plus quand, que j'avais regardé un peu de loin, donc je me souviens plus grand chose, mais je me souviens un truc, c'est qu'il avait dit que ça ressemblait beaucoup à Dungeon 3 ou les deux, ou Dungeon Keeper bien sûr, jeu auquel j'affectionne tout particulièrement. Donc vous voyez que c'est une nouvelle partie, hein, je n'ai jamais commencé le jeu, je n'ai jamais fait le tuto, je n'ai rien fait, j'ai juste fait les options pour... Alors on est en ultra pour ceux que ça intéresse, voilà, mais sachez que voilà, j'ai du 180 FPS, on ne devrait pas trop avoir de la gouille. Donc let's go pour découvrir ce jeu. Oui, partie rapide, personnalisée, sandbox, j'en sais rien. Comme c'est directement au maximum en mode difficulté moyen, oui. Peut-être. Je n'en sais rien. Il n'y a pas d'histoire. Apparemment, il n'y a pas d'histoire. Je ne sais absolument rien. Je commande vraiment le jeu. Je n'ai rien du tout. Passer avec entrée. Bah non. Donc on joue le rôle d'un méchant. Hein, en cas où vous n'avez pas compris. Have arrived on the helipad. Ah, ok. Alors, déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour tenir la caméra. Maintenez la roulette, c'est ça? Ah, ok. Très bien. On est dans le pas de tuto, du coup. Hein. On utilise la manette pour dézoomer, je suppose qu'ils disaient ça, parce que voilà. Pour déplacer la souris verticalement ou incliner la caméra, au secours. Ok. Ah, ouais, oh, c'est le méchant. Il faut lui trouver une voie. Vous me pétez deux minutes? Pour qui vous prenez-vous? Pour me donner des ordres comme ça? Je suis là pour vous aider en vous disant que faire ensuite d'une manière parfaitement amicale. Mais vous êtes là pour faire tout ce que je vous dis? Exact. Première étape, dites-nous ce que vous désirez et les sbires le feront. Et nous sommes heureux de vous servir. Et nous tenons à rester en vie aussi. Arrêtez de me regarder comme ça. D'accord, très bien. Votre base sera nettement plus impressionnante avec quelques salles en plus. Ouvrez le menu de construction. Ok, d'accord. Comment? Ici, bien sûr. Il vous faut un endroit sûr pour ce qui est votre or. Sélectionnez l'icône chambre forte. Oui, ouais, d'accord, chambre forte, ok. Ok, d'accord. Et glissez sur la zone indiquée, c'est que vous construirez votre chambre. Bon, d'accord. Mais qui veut que je la mette quelque part par là? J'ai vu l'icône, où est l'icône? En fait, il me dit... Ah, là, ok, je viens de voir. Est-ce que... Au secours. Alors, je prends ça, yes, énorme, je fais ça. Éléments. Des meubles pratiques et des divisibles essentiels au fonctionnement de la base. Les palettes augmentent la quantité d'or que vous pouvez conserver dans votre base. Ok, très bien. Donc il faut des palettes d'or et ça prend 4 de cubes. Ok, mais comment je place ça bien là? D'accord, très bizarre. Ma souris est décalée, on dirait, mais bon, apparemment c'est normal. Apparemment c'est normal, écoutez. Mieux vaut ne pas laisser cet or accessible à tous. Ajoutez une porte à votre chambre forte. Oui, oui. Oui, bien sûr. Je vous écoute. Et on confirme. Quand vous aurez fini, sélectionnez confirmer pour donner de l'ordre de commencer à vous sbire. Tout confirmé. Attendez que vos sbires aient installé la porte avant de continuer. Les éléments commandes doivent d'abord être récupérés au dépôt situé à l'héliport. À l'héliport, excusez-moi. Très bien. Donc on les regarde. Travaillez bien. Ah. J'ai fait le mode de construction sans le vouloir. Et je fais tout confirmé. Ouais, let's go. Je vais faire un truc, mais... Je l'ai baffé comme dans Dungeon, mon papa, bien sûr. Ok, alors là, ça y va à coup de laser chelou pour détruire les murs, bien sûr. Plus efficace que des pioches. Voilà, si vous connaissez pas ce type de jeu, effectivement, ça peut vous surprendre. Mais vous inquiétez pas, tout ceci est bien normal. Tout ceci est maîtrisé. Absolument pas. Attendez, KBSB, il a installé la porte. Oui, bah ça, j'ai bien compris. Excusez.
Donc l'héliport, vous voyez où l'héliport? L'héliport. Oui, l'héliport. On m'appelle Monsieur Port. Il est où l'héliport? L'héliport, l'héliport. Là. Ok. Maintenant que... Et maintenant que votre heure est en sécurité, je vais entendre une autre salle à votre base. Oui, bah d'accord. Donc là, ils font des choses, apparemment. Ah d'accord, ils... Ok, oui, bon. C'est... Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout va bien. Il est une heure et tout va bien. On ajoute une salle. Une caserne. Les sbires peuvent y reprendre des forces et restaurer leurs stats. Ok, ça coûte 15$. J'ai combien de dollars? Comment on veut les... On veut l'argent. L'argent. On veut savoir l'argent. Les sbires ont besoin de se reposer à la fin de leur journée de mauvaises actions. Construisez une caserne. Oui, oui, ça j'avais bien compris. Alors, ça. Voilà, il va falloir des portes, je suppose. Chez la porte. Non, mais je veux mettre la porte, moi. Bon, d'accord, je fais ce que vous voulez. D'accord, j'ai compris. Le décalage, quand même, je sais pas où il y a un décalage comme ça. Tu peux pas mettre une porte? Utilisez R pour tourner librement les éléments. Peut-être devoir être placé contre un mur, s'oriente automatiquement, placer quelques lits de l'autre côté de la caserne. Ah oui, d'accord, donc là, je fais ça, je fais... Ok. Hop. Bah là, pourquoi il veut pas me le mettre? Ok, c'est juste que bon. D'accord. Les portes peuvent être placées entre deux murs. L'ouverture doit être. Aujourd'hui, c'est 4 cases. Ok, donc c'est 4 cases. Ok. Porte 4 cases. Je vais vous laisser ça dans 2 secondes. C'est pas grave. Allez, tout confirmé. Oui, tout confirmé, bien sûr. Allez-y. Cassez les murs. Ouvrez le menu des systèmes, d'accord. Objectif. Les objectifs optionnels offrent des petits défis fréquents. Vous voulez valider celle-ci pour obtenir une récompense. Très bien, très bien. Rêve de domination mondiale. Oui. Revenez souvent ici pour conjuguer vos objectifs principaux et optionnels ainsi que vos points annexes. Ok, j'ai pas tout bien saisi, mais d'accord. Y'a pas de problème. Et la nourriture est essentielle au bien-être de vos sbires. Si vous les affamez, ils seront en moins de bonne santé et surtout beaucoup moins intelligents. Déjà qu'on ne le s'en est pas très beaucoup. Ah ouais, on voit ça. Hein. Oui. C'est bon, tu peux arrêter de parler. J'espère que ça, c'est agréable comme bruit. c'est agréable. Ok. Ah là, il faut faire quoi? Construire encore. En manger, miam. Miam, le manger. Miam miam le manger. Vous pouvez faire pivoter tous les éléments de votre base. Vous pouvez aussi les déplacer une fois construit. D'accord. Comptoir, ça quoi? Restaure partiellement l'intelligence et la vitalité des sbires. Vraiment, les sbires sont tellement cons qu'ils deviennent de plus en plus idiots s'ils arrêtent de manger, quoi, vraiment. un point de restauration standard, ketchup non garanti, bien entendu. Ah d'accord, ça se met au centre. Je ne comprends. On confirme. Les comptoirs de restauration simples peuvent rassasier vos sbires et restaurer leur intelligence. Ainsi, oh oui, je viens de le dire, merci. Merci, tu suis bien dans ce billard, tu n'as qu'à répéter ce qu'on vient de te dire. Yeah, bah, ok, donc tout se détruit, tout se passe fort bien, bien sûr, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça détruit tout à coup de putain de laser chelou bizarre. Alors les lits, ah oui, les lits n'ont pas été faits. Donc du coup là il y a des. Voilà, il y a bien de l'or, tout un tas d'or. Coût 3000, production. Ah, ça me produit aussi de l'or. Bon, ça doit me produire de l'or. J'ai pas tout bien saisi encore, mais ça doit me produire de l'or. Très bien. Ah oui, là l'argent, 43 000, bien sûr. Miam miam l'argent. Et même l'argent, l'énergie, on s'en verra plus tard, les sbires, bien, bonjour les sbires, ok, il se passe des choses. Et même les sbires. Voilà, c'est bien, est-ce que je peux voir comment il s'appelle lui? David Nguyen. Ouais, mais... je vais t'appeler sbire numéro 442, voilà. 444, c'est le sbire parfait. Alors lui, il est chaud, vas-y, je vais tout défoncer. D'accord. Construire un comptoir dans le restaurant. Mais ils sont. D'accord, mais. Allez-y, je sais pas, faites quelque chose.
On peut pas faire un truc, donner la priorité comme dans certains jeux, non? Non, bon, on peut pas. Faut juste attendre qu'il le fasse. Let's go, hein. Ouais, faites-le, yes, yes, énorme. Qu'est-ce que c'est que ça, le menu des systèmes? Stats. Tu vois les stats, wow, trop compliqué, trop de chiffres. Trop de chiffres pour moi, c'est beaucoup trop dur. Verrouiller, yes. Je suis d'accord, totalement d'accord. Ouvrier, yes. J'ai tout compris. Je suis intelligent. Yes. Intelligent, miam, intelligent. Miam. Tout compris. Ok, par contre, là, il y a des trucs plus solides que d'autres, non? Je comprends pas. Il y a des textures différentes. Ah oui, là, c'est l'aspect sympathique. D'accord. Là, c'est l'aspect sympathique de la décoration avec des petits pots de fleurs. Parce qu'on fait le mal, mais on le fait bien. Voilà, on fait le mal, mais on le fait bien. Ça sera notre devise. Oh, yes. C'est vert, j'aime bien. Ah, panne de courant, on a oublié de mettre l'électricité. Et ils savent qu'il nous manque d'énergie. Réglons ce problème avant d'aller plus loin. Faites de la place pour construire une centrale. Vous pouvez choisir n'importe quel emplacement, mais gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une cible de choix pour les agents ennemis. D'accord, donc ça, c'est... Faut éviter de le mettre loin, quoi. Enfin, faut éviter de le mettre près, justement. Et là-dedans, on peut mettre des trucs. D'accord. J'ai compris. Et oui, il me conseille de le mettre quelque part, ou... Juste, je fais ce que je veux, et je le mets, genre, ici, et ils en foutent. Non. Hein, ouais, non. Il y a une mouette. Au secours. La mouette. Ok, donc là, l'hélioport. C'est pas là qu'ils vont arriver, les méchants. Les méchants, ils vont pas arriver l'hélioport. Si, non, peut-être, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas où ils entrent. Bah, écoutez, Est-ce qu'on peut juste casser les murs pour faire des chemins? On doit pouvoir. Est-ce qu'on sait comment faire? On sait pas. On doit pouvoir faire. C'est quoi la terre? Les matériaux de construction idéaux pour bâtir des murs. Pas du tout. Des couloirs, yes, des couloirs. On peut faire des couloirs. On va faire un couloir comme ça, voilà. Hop. Voilà, on va le faire loin, vous inquiétez pas. Ça va le faire, regardez. On va faire ça, on va faire une machine. On va faire... Merde. Chais. Voilà, refaites ça, voilà. On va faire ça, mon gars. Pour qu'ils trouvent la salle des machines. Et bah, ils ont intérêt à se faire chier avec un tout un couloir, hein. Alors, on sait pas si on doit le faire grand. On sait pas. On fait au pif. Ah, mais là, du coup, là, c'est considéré comme une porte? Non, peut-être pas. Ah oui, mais alors, ça va être petit. Ah. Alors, il y a des trucs qu'on peut pas casser. Ah, c'était pas prévu dans le plan, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire, comment, je ne sais pas, mais ça va le faire. Ok, on peut aller jusqu'à la limite, c'est là. Au secours. Au secours. C'est pas grave, on va faire un truc un peu nul comme ça, en se disant que c'est pas grave. On pourra en mettre un ou deux. Voilà, on en met deux. Peut-être qu'on va peut-être le déplacer là, non? Voilà, on va le déplacer là. Il faut qu'on fasse un truc, voilà. Électricité, 1, 2, 3, 4. Voilà, et là on peut mettre une porte, logiquement. Voilà, j'ai tout compris, regardez, je suis intelligent. Regardez ma grosse intelligence. Comment ça, ça veut pas? Eh ben voilà. Eh ben regardez ça, on peut même en faire plus si on veut. On peut faire plus d'électricité. On va tout confirmer. Impossible de confirmer les changements non valides. Comment ça, c'est pas valide ça? Il faut faire des pièces plus. Des couloirs plus grands? Mais d'accord, faut faire des couloirs plus grands. Ok, c'est bon. Il fallait comprendre. Maintenant je sais, nous sachons. Voilà, c'est bon, let's go! Voilà, il fallait pas être défaitiste. Il fait sombre, hein? Vous avez pas peur, hein? Non, moi non plus. Ok. On a compris comment ça marchait. Les couloirs, c'est deux cases forcément. On le saura. On le saura. Et sinon, on a fait une salle d'énergie. Finalement, on n'a pas pu faire le truc zigzag. Mais au moins, le gars, s'il rentre par là, il doit faire ça tout le tour ici. Bon, voilà. On aurait pu le mettre aussi giga loin. Mais bon. C'est le début, c'est le tuto, donc ne cherchons pas plus compliqué. Ah oui, on peut aller plus vite comme ça, là. Let's go. Vitesse ultimate. Allez, vas-y, défonce tout. Yes, énorme. Regardez ça, comment ils sont incroyables. Waouh, quelle vitesse. Waouh.
En tout cas, le casino n'a aucune. Il n'y a vraiment personne dans le casino, donc bon, let's go. Je sais pas comment on gagne de l'argent, mais on en gagne. Donc voilà, ça construit. Voilà, bam bam, détruit tout là, voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon bah, tais-toi, c'est bon, je t'ai lu. Attends, il peut activer ou cliquer sur. Ouais, bon, ça, je sais pas ce que c'est derrière ton rond, je vois pas y toucher. Voilà, donc là, ils sont en train de faire des trucs, voilà, regardez les sbires, voilà, c'est bon, let's go. let's go. Donc là, on va avoir de l'énergie, évidemment, quand ils vont faire ça, ils vont avoir de l'énergie. C'est parti où? Ils partent où en fait à chaque fois là? Vous allez où là? Vous allez où? Ah ok, c'est bon. Les agents vaincus au sol dans les sacs mortuaires. Vos sbires perdent du moral quand ils s'en approchent. Construisez un incinérateur dans votre centrale pour débarrasser de ces corps. Ah oui d'accord, faut brûler les cadavres. Il faut centrale, d'accord. Énergie, machin. La mettre n'importe où, il faut absolument que ce soit dans une. Ok, il faut absolument que ce soit central. D'accord. Et les pieds, c'est là où ils doivent aller, d'accord. Bah, allez, ici. On va faire. Voilà, c'est sympa. Hop, tout confirmé. Très bien. Ouvrez la fenêtre de sélection personnage, puis faites un clic droit sur le portrait de votre génie du mal pour le sectionner et le suivre. Ah. Où nous sommes? Ici. Une fois votre génie sélectionné, vous faites un clic droit dans la zone indiquée pour le déplacer. Ah oui, donc je peux lui dire bah là. Pire truc à faire, hein, je pense. Alors d'ailleurs, on peut voir quoi? Vitalité, on peut voir l'intelligence, le moral, les bonus qu'il donne. Bon, on verra ça un peu plus tard. Et il veut qu'on fasse quoi? Ah, il clic droit, d'accord. Il y a clic gauche, clic droit, aussi. Tiens là. Mais cours. Et cours. Et vous avez besoin d'une salle de contrôle pour pouvoir déployer des sbires à travers le monde. Mais planifiez cette salle. Vas-y, va accueillir les gens devant le casino. Voilà. Fais comme si t'étais un patron sérieux. Donc il faut planifier une salle chelou. Salle de contrôle, yes. Salle de contrôle. Allons là, contrôle salle. Il faudra quoi? Est-ce qu'il faut que ça soit grand? Ah oui, il faut que ça soit assez grand quand même. Ouais, quand même assez grand. Donc il faut qu'on fasse des couloirs. On va faire un couloir qui a. Ah oui, mais le problème c'est que si on fait ça, on va pas avoir de place. Ouais, j'ai compris. Mais bon, ça a le contrôle, yes. Mais est-ce que si je fais ça, comme ça, ils font quand même une salle. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut quand même faire des couloirs. Parce que si on fait pas de couloirs, ils vont considérer que même le couloir, ça restera à partir du. La salle de contrôle, ok. Donc, il faut mettre une salle de contrôle. Bon, on va faire une salle de contrôle là. Enfin, on va partir par là. Et la salle de contrôle, on a qu'à la faire derrière le restaurant, non? Voilà, on va faire ça derrière, puis c'est tout. Faites pas chier. Alors, par contre, il faut qu'il y ait. Les murs, c'est 4. Donc, on va faire un petit peu plus au cas où. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et maintenant, on peut faire. On sait pas. C'était grand comment? Je sais plus. De toute façon, là, on connaît pas le jeu, donc. Ah oui, c'était. grand, mais peut-être un peu moins grand. Attendez. On va essayer de faire moins grand, parce que bon, là, on perd de la place quand même, les gars. On perd de la place, au secours. Voilà. Pas besoin de faire aussi grand quand même. Voilà, et une porte, bien entendu. Toujours une porte. Voilà, une bonne porte. Les radios génèrent la puissance d'émission nécessaire au maintien de vos réseaux criminels à travers le monde. Oui, d'accord. C'est très bien. Allez-y, let's go. Faites des choses. 8. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Des toilettes. Ah, on doit faire des toilettes, au secours. Ça, d'accord. Dans le réfectoire, on a OK. Je sais pas, il y a des 1. Ah oui, le butin, c'est ça? Non, je sais pas. Mémorial numéro 2. D'accord. On verra ça plus tard, je pense qu'ils nous donneront plus de détails. Enfin, tout confirmé, on s'en fout. C'est vrai que dès qu'on appuie là-dessus, en fait, ils arrêtent tous travaux, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Peut-être que je désactive ça. Je crois que ça désactive nos options. Je l'avais activé parce que j'étais en mode, bon, bah, vu que je connais rien au truc de construction, on va faire pause à chaque fois que ça.
qu'on l'ouvre, mais bon, du coup, c'est un peu chiant. Finalement, c'est peut-être un poil chiant. Ok, bah voilà, ça se peaufine, notre salle. Bon, elle est dégueulasse. Ah, ouais, ça, énorme. Hein. C'est énorme, regardez, là, ce couloir, là, c'est un trompe. C'est là, on fait une petite embouchure, là. Hein, comme ça, le héros, il arrive là, il fait oh, merde. Oh, non, le labyrinthe. Oh, non, mince. Ah, mais il parle. C'est les Sims. Énorme. Énorme, énorme. Ah oui, non, mais il faut que je fasse quelque chose, là. Mais non. Ah, mais il faut placer deux roulets radio. Au secours. Secours. Scooby. Ah, on peut le mettre là, c'est bon. Un sasier de casier dans la caserne. Comment on fait pour casier? Casier, c'est où les casiers? C'est où les casiers? Il va être dehors? Oui, non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas... les casiers là que je cherche, viens de vous les gars. Ordinateur, ouais, énorme. Installer des casiers dans la caserne. Eh, plus vos machins, oui, non, mais d'accord, mais moi c'est des casiers, c'est quoi qu'on fait là? On verra après. Venez-moi des sylvestres autour de votre île. À vous d'y faire régner la terreur. Accédez à la carte du monde. Ok, comment on fait? On fait M comme map? Non, d'accord, on fait aucun, on appuie là. Ah oui, c'est grand. Chacune des régions indiquées constitue un excellent point de départ pour votre quête de domination mondiale. Sélectionnez une de ces régions recommandées ou n'importe laquelle si vous savez ce que vous faites. Et repérez-la pour y établir un réseau criminel. Alors, on me dit d'aller par là, je vais par là moi. On me dit d'aller là, apparemment là c'est vachement bien ici. Moi je vais aller là. Voilà, aux provinces sud de Lenville. J'adore ça moi, Lenville. Lenville Engine, là, je connais. C'est un truc de judo. Disposé de plusieurs postes d'opération spéciales et complexes de recherche en région. Je vais repérer des choses là-bas. Elle dit qu'ils sont après, nous pourrons utiliser notre réseau criminel pour exécuter des machinations dans cette région. Oui, bah c'est très bien. Je suis extrêmement d'accord. Moi je clique sur les trucs qu'on me dit de cliquer et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce qui se passe du cul, hein? Ok, voilà, qu'est-ce qui se passe? Un hélicoptère! Il y a un hélicoptère ici! Qu'est-ce qu'il fait, l'hélicoptère? Ah, il y a une progression. Ah, une ouvrière! Je suis prête, chef! Envoyez-moi d'un partout! Oui, je reviendrai avec les Thunders! Come back! You think you are coming back? Ah, Yuzumar! Vous pensez vraiment revenir? Hors de question! Vous ne ferez qu'attirer inutilement l'attention sur cette île! Imaginez que leurs agents vous suivent jusqu'ici! Gardez un peu d'or et envoyez-moi le reste! Utilisez votre part pour mener une vie tranquille! Sinon. Vous quittez la base et exécutez des machinations sélectionnées. Leurs activités criminelles vous rapporteront un peu d'or. Très bien! C'est parfait, j'aime beau. Ok, d'accord. Yes, menez des recherches, yes. Oui, comment qu'on fait? Tout détruire, non, on vient de construire, on ne va pas le détruire tout de suite. Mais oui, c'est très bien, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Vous voyez, il y a l'argent là, miam. Comment on fait pour miam l'argent? Exécuter la machination. Ouais, c'est pour moi ça, je veux ça. Déployer des sbires pour commencer cette machination, ils ne reviendront pas à la base. Oui, bah, allez-y, hein. Une prison est l'endroit idéal pour garder vos ennemis avant de les interroger. Bam! C'est mort, n'importe quoi là-bas, c'est bien fait le jeu. Le jeu est bien fait. Ok, une prison, miam miam! Miam miam, la prison, qu'est-ce qu'on fait avec la prison? Planifier des cases de prison, 50. What? 56 cases? Parce que. Je fais comment, ouais? 56 cases, hein? D'accord, ouais. C'est grand les prisons, il faut mettre quoi là? Il faut mettre des trucs de 4 là? Ouais, des chaises d'interrogatoire, yes, ouais, beaucoup de choses, hein? Autre chose, effectivement, là. 50. Hein, comment on va faire 50 ces cases, hein? Ouais, hein. Ça fait quoi, là? Ça fait pas 56, hein, au secours, hein. On fait ça? On fait une prison comme ça, non? Attends, planifier des cases de type prison. Bon, apparemment, c'est bon. Chacune des cellules de détention peut loger un seul prisonnier. Si elles sont toutes occupées, vos sbires ne pourront plus les capturer personne. Ah, n'est-ce pas malheureux? Merde, il faut que je rebind de touches parce que là, il y a des touches, ça va pas là, hein, au secours. Oui, bah alors non, hein, on,
plutôt vers l'intérieur. J'en mets combien ? Dès que cette chaise d'incarcérateur sera fonctionnelle, nous pourrons l'utiliser pour apprendre tous les secrets de nos prisonniers. Oui, bah attendez, j'en mets plein. Miam miam ! Oh, regardez ça, tellement de cellules. Oh, j'ai pas fait exprès, ça passe nickel. Ok, ok, maintenant j'ai ça pour des chaises de torture mentale. Ça fait quoi ? Je les mets où ? Je ne sais pas. Bon, mais alors ? Essayez d'interroger des agents. Essayez d'interroger des agents. Qui sait quel secret nous pourrions découvrir. Oui, d'accord, d'accord. Oh, comment j'ai fait ça? Oh, il y a ça. Putain, il y a des trucs là. Ils auraient pu le dire au début. Ouais, j'en mets combien moi? J'en fais 4. Très bien. Derrière, il faut faire un couloir parce que là, comment ils font sinon? Couloir, c'est ça, couloir. Miam miam, ah oui, on a fait un couloir là. Oh putain, on était trop fort, tellement fort. Alors par contre, oui, mais il faut 4 cases. C'est bon comme ça? Une porte? Miam miam, ah non, c'est plus grand. Attendez, je suis un peu débile. Attendez, excusez-moi, je suis juste débile en fait. Attendez, je suis débile. Type de salle, prison. Miam miam. Ah non, au secours. Normalement, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Ça se fait. Bon, j'espère que j'aurai cut. On n'aura pas fini le tuto, hein, quand même. On n'aura pas fini le tuto dans cette découverte. Bon, après, je m'en fous. Est-ce que je fais pas une découverte qui dure 70 minutes? En vrai, je peux faire une découverte qui dure 70 minutes. Ouais, moi, je dis qu'une découverte, c'est que quand t'as vraiment tout découvert. Là, bon... On n'avait pas fini le tuto, j'appelle pas une découverte. On continue. On fait des choses. Alors déjà, ils nous ont dit les sbires, tout ça. Mais pour l'instant, les sbires, on n'a pas vu. Alors, installer des casiers dans la caserne. Obtenir 20 000 en or grâce aux machines à studio, d'accord. Mais comment on met des casernes dans quoi dans la comment on met des casiers dans la caserne? La caserne, c'est quoi? C'est ça, la caserne? Sûrement que c'est ça, la caserne. Caserne. Yes. Élément. Casier. Yes. Des casiers. J'adore ça. J'ai toujours rêvé de mettre des casiers. Pas du tout. Rien à péter. Des casiers, moi. Ça me casse les couilles. Voilà. Vous avez des casiers. Vous êtes heureux. Ah. Pourquoi ils sont pas contents? Qu'est-ce qui se passe? Faudrait un tout nouveau scientifique. J'ai jamais rien compris, il parle avec des mots que je comprends pas. Mais apparemment c'est vachement bien. Hein. Ah, attendez, l'hélicoptère, il est où l'hélicoptère? Ah, l'hélicoptère, il est parti voir le scientifique, bien sûr. Un hélicoptère, un scientifique. Voilà, regarde ça, waouh, quelle vitesse, incroyable. Ah, comment on fait un scientifique? J'ai jamais réfléchi à ça, moi. Je suis prêt à découvrir les mystères de l'univers pour vous, chef. Sur quoi voulez-vous que j'axe mes recherches? Intéressant, ce mot de recherche. Comme si vous cherchiez la même chose pour la deuxième fois. Vous n'avez pas intérêt à me le facturer deux fois, hein? Sans quoi... Il le tuera, quoi. Être nouveau scientifique affirme qu'il est possible d'utiliser une salle de formation pour apprendre au plus stupide des sbires à se spécialiser. Construisons-en une pour en avoir le cœur net. Bon, j'avoue que si on arrive sur 50 minutes de vidéo, il y a un moment donné, je vais te dire stop, hein. La découverte, c'est sympa, il y a beaucoup de choses, hein. Le jeu est très complet. Oui, d'accord. Construire machin. Agrandir votre base est essentiel à votre projet de domination mondiale. Créer de nouvelles salles et placer des éléments pour produire de l'énergie et mener à bien vos opérations sélectionnées de salles. Yes. Les salles de formation. Planifier des cases de salles de formation. Oui, il n'y a personne, ça fait fuir tout le monde. Hein. Quand on dit formation, tout le monde se barre. Je comprends pas pourquoi. 64 cases. Mais vous voulez ma mort? Il y a jamais assez de place, au secours. En plus, on peut pas casser ça. Regardez, là on peut pas. Bon, vous avez compris. À un moment donné, vous avez compris quand même. Je fais ça où? Je fais ça là-dedans?
Alors en plus c'est chiant de... Les formations c'est chiant et en plus ce sera loin. Ouais voilà, c'est chiant et c'est loin. Le toi vous êtes content? Je pense qu'on les a... On a fait beaucoup trop grand à la prison. Parce que là ils m'ont dit genre 59 je crois, je les ai pas vus. 64 peut-être. Et en fait ça suffisait, ce petit carré là suffisait en fait. Ouais. Alors bien sûr il faut un formateur de scientifique. Donc le scientifique là, il faut un formateur de scientifique là. Voilà, ça, tiens, deuxième formateur de scientifique. Avec ce dispositif, vous pourrez convertir vos sbires en scientifiques. Et en plus, vous aurez des scientifiques, et plus vos recherches sont rapides. Comme le hérisson bleu, là, la chaunique. Je peux plus, je sais pas pourquoi c'est gimmick de dire chien. Aucune idée, hein, c'est... Oui, bon, non, je veux pas vendre des choses, non, laissez mes chaises d'interrogatoire sympatoche tranquille. Donc là, il faut faire des couloirs, hein, c'est ça, et construire des formateurs, c'est ça, il faut des couloirs avec des portes, des bonnes grosses portes. Comment je fais? Est-ce que je fais un couloir qui fait comme ça, là, ou est-ce que je peux faire un couloir qui passe par là? Aucune idée. Bah, écoutez, on va tester, hein. Moi je dis que tant qu'on sait pas, tant qu'on sait pas, on sait pas. Je pense que c'est assez profond comme verdict. Je sais pas vous, moi je pense que c'est pas mal. Ça passera pas, on est d'accord que là, si je lui dis bon ben chais, fais-moi une porte, là il me dit bah non votre porte c'est de la merde. Si je voulais faire une porte, il faudrait que ça aille là. Il faudrait que j'en casse un, deux. Deux machins, ok, yes, énorme, énorme. Énorme. 1, 2. J'ai plus. Je crois que c'était 2, hein. C'est bon là, non? Ça fait pas chier, hein. Voilà. Ah oui, alors. Ah oui, c'est effectivement. Si la porte est à moitié cachée, pas sûr que ça passe, hein. Bien vu, bien vu. Comme quoi je fais. Voilà. Je peux faire ça, je pense. Là, il est content. Je peux mettre une porte. Voilà, énorme. C'est très dégueulasse, mais ça marche. Donc, c'est bon. Si ça marche et que c'est dégueulasse, c'est bon. Punergy. Ah. Comment ça, Punergy, là? J'ai fait un milliard de trucs, là. Comment c'est possible qu'il n'y ait plus d'énergie? Ok. Obtenir 20 000 or grâce aux machinations. Oui, bah écoutez, monsieur, les machinations, là, bonjour. Bonjour, je voudrais voir s'il y a des machinations incroyables. Non? Bon voilà, il y a pas de machinations incroyables. Comment je fais pour revenir à ma carte ici? Retour à la maison. Est-ce que je peux pas remettre un truc d'énergie? J'en ai fait un de plus en plus, hein, par rapport au tuto. Hein, vous foutez de ma gueule, hein, quand même. Hein. J'en ai fait un de plus par rapport au tuto. Hein. Est-ce que je peux en mettre un là? Ah non, hein, il y a la porte d'entrée, il est en mode bon, pas trop content. Et là? Ah, là ça passe! Là c'est moche, mais ça passe. Ah oui, mais ça passe, mais pas trop en fait. Parce que là, ils peuvent plus y aller, c'est ça. Donc ils sont pas contents. Ouais, ça passe, mais pas vraiment quoi. Ouais. Hein. Pourquoi on a plus de format? Pourquoi c'est cassé? Pourquoi ça marche pas? C'est quoi là, le courant d'énergie? Comment on voit le courant d'énergie? On consomme 52, on produit 49. Ah! Ah! C'est un problème, effectivement, assez important. Je le soumets. Je le comprends. Je me fais niquer parce que je ne peux rien en faire. Je peux pas faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Je peux pas faire ça. Est-ce que j'aurais la place d'en mettre un là? Pas sûr. Au secours. Comment ça, je consomme trop là? Je comprends pas. Et si je fais des murs... Attendez, j'ai un truc incroyable. Vous allez voir, c'est du génie. Peut-être que là, ça va économiser de l'énergie, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, à un moment donné, c'est... Il y a moins de lumière. Il y a moins de lumière, là, non? On consomme toujours trop, hein. Bon, bah, écoutez, on n'a pas besoin de cela. C'est surfait, C'est surfait, je trouve. On annule. C'est surfait, ça, c'est... C'est grave surfait, j'en ai vu, grave. Ouais, non, c'est grave surfait, en fait, ceci, c'est, voilà. Il n'y en a besoin que 3, en vrai.
Bah, les autres ils crèveront quoi, puis c'est tout, on n'a pas d'argent. Écoutez, si on n'a pas d'argent, on les détruit. Voilà, annulé, regardez ça, bon c'est pas grave, c'est très moche mais... Il y a moyen que ça passe là. Voilà, on en consomme 48 et on en produit 49. Ça va, il faut juste que personne ne cherche un portable quoi, si personne cherche un portable, tout va bien. Bon voilà, si le problème c'est que le mec il veut faire... Si juste le mec il veut faire du popcorn dans le micro-ondes, bon il fait tout sauter mais bon... Moi j'y peux rien hein, j'ai en train de faire un empire machiavélique, je suis pas en train de faire EDF là. Au secours. Au secours. Oh mais attendez, on peut faire un truc de génie, regardez ça, j'avais tout prévu. Bon j'avais presque tout prévu. Ouais bah j'avais pas tout prévu quoi, bon ça c'est... Bon ça à un moment donné ça va se voir que c'était pas prévu. Bon, regardez ça, je fais ça là, regarde c'est plus joli. Voilà, on va croire que c'est presque du design. On va presque croire que c'est du design à force, on va croire que ça a été pensé pour. Regardez, tout va bien, regardez en termes d'énergie là. 48 consommés pour 49, tout va très bien. Il n'y a aucun problème. Bon. Et là, il y a juste un gros trou là, c'est énorme. J'adore les gros trous en plus. C'est un peu mon kiff dans la vie, les gros trous. Avec les bons équipements de formation dans votre salle de formation, vous pourrez convertir vos sbires en spécialistes. Accédez à l'écran de formation des sbires pour donner votre formation de nouveaux scientifiques. Ouais. plus d'énergie, mais le mec qui me parle de formation, ouais, t'inquiète, y'a pas de problème là, regardez ça. Vous devriez viser un effectif permanent de 2 scientifiques par chance. À leur chance, vous en avez déjà un. Alors former le second, ce sera simple formalité. Si vous avez aussi, pour une raison quelconque, un de vos scientifiques vient disparaître, un autre sbire s'entraînera aussitôt pour maintenir ce quota. Votre base simple et efficace. Ce quota de notre base. Ok. Donc je fais un scientifique, ça me coûte un bonhomme. On voit où mes bonhommes. Ah là, j'en ai là, j'ai 26 bonhommes. Et ben il y a un bonhomme, ça sera un scientifique. Voilà, comment je confirme, je fais quoi là hein. Ah ouais, c'est bon là, je veux un scientifique moi. C'est bon. Ah non, effectif souhaité, ah oui, je veux un scientifique. Voilà, ça me coûte 450$ en deux quotidiens. Bon, c'est vrai, il coûte pas cher aussi, le scientifique. Oui, bon là, il m'a dit la même chose. D'accord, comment je confirme? Ah non, faut me dire deux. Ah oui, il faut dire deux, d'accord. Eh bien, ouvriers, ils commenceront automatiquement à se former, ils apprendront plus vite s'il y a un autre sbire capable de guider. Ouais, très bien, d'accord, il faut leur dire, en fait, vu que j'en avais déjà un, ils considéraient que c'était quand même, il en fallait quand même deux. Voilà, je viens de comprendre. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie, là? Pourtant, je suis vachement bien. C'est vachement régulier, ce que j'ai fait, non? En termes d'électricité, là, je comprends pas, délire. Vas-y, rien, comment on se rend à se former? Oui, mais ça, j'ai bien compris. On a juste un petit problème d'éclairage. Et là, bah, voilà, bon. C'est pas ma faute. Ça se forme ou ça se forme pas là? C'est quoi là ici? Galerie des personnages. Oui, bon bah écoutez, monsieur. Les scientifiques, oui, bon bah écoutez, il y a des scientifiques, moi je veux bien. Moi je ne comprends pas. Ouais, bon bah écoutez. Ils vont former des scientifiques à un moment donné, regardez. Lui il est prêt pour devenir un scientifique, je suis sûr, regardez ça. Il est enfant. Bon, il a abandonné, il a eu mon formation, je crois qu'il s'est dit, oula, mauvaise idée ça. Mauvaise idée. Elle aussi, elle est en mode, oula, vous avez dit quoi? Vous avez dit formation? Du coup, elle s'est marrée. Ah, lui aussi, il y avait formation. Ah, ok, je me casse. Bon, on a plus d'énergie, mais à un moment donné, vous inquiétez pas, ça va revenir. Après, on a moyen de refaire un truc, hein. Regardez ça, regardez le génie que je suis. Pas du tout. Il y a moyen de faire un truc, je suis sûr. On fait ça. Là, on fait ça. Et là, le jeu, il me dit, bah oui, mais t'es excellent, bro. Puis un excellent homme, regardez ça, bam bam bam, voilà. On va refaire un truc d'énergie, parce que bien sûr, on manque pas du tout d'énergie. tu rentres dans le casino et toutes les demi-heures, il y a combien de courants? Non mais vous inquiétez pas, c'est normal. Il y en a toutes les 30 minutes, mais c'est fait exprès, c'est pour l'ambiance. C'est... Voilà, c'est normal. Bon, ça se forme les scientifiques là, moi, comment je fais s'il y a un scientifique qui se forme là? Ah, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'électricité? Ah, c'est bon, elle est prête pour devenir un scientifique là. Regardez ça, là, les trucs de scientifiques là. Regardez ça. Bam bam, les scientifiques, ça fait tourner les tableaux, je connais ça, j'en ai vu. Regardez ça là, bam bam bam. Ouais, meurt d'envie d'être scientifique là.
Et vos scientifiques ont besoin d'une salle adaptée pour mener leurs recherches, planifier un laboratoire. Oui, mais c'est bon. Il faut un laboratoire, mais... Oui, bah... D'accord. D'accord, je veux bien un laboratoire, mais... Laboratoire 50 cases, au secours. On va faire un laboratoire là, regardez, écoutez ça. Ça fait 19. On va essayer de jouer sur le micro-pixel, hein, écoutez. Ah, il manque 2. Ah, écoutez, voilà. Et par contre, sur les recherches, on sait qu'on a besoin d'un tableau blanc. Pour les projets de recherche plus ambitieux. Et vous devrez leur fournir de l'équipement plus avancé. D'accord, donc il nous faut un tableau blanc. Au secours. Regardez ça, un beau tableau blanc. Maintenant, il faut... Il y a quoi? Il y a des outils d'analyse. Bon, on a compris, on suit le tuto parce que... On n'a pas voulu le suivre tout à l'heure. Ça s'est un peu mal passé, je vous le concède. Alors, comment qu'on fait pour 4 cases? Parce que je comprends pas. Ça me dit non. Mais pourquoi ça me dit non? Parce qu'il faut que je fasse ça. Attendez, parce que... Ça, il y a des trucs que j'ai pas tout à fait compris. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, des fois, il y a des petites cases qui sont pas bien mises. Ok. Oui, mais attendez. Ah, oui. Non, juste... Voilà. Hein. Voilà. Et là, on peut mettre une jolie petite porte. Une porte magnifique. Voilà. Elle est type avec cette porte. Je ne sais pas parce que elle n'est pas construite encore. Mais elle sera sans doute magnifique. Voilà, c'est bon. Alors, en termes de puissance, là. C'est bon, on en produit 59, là. Il faut juste pas charger 3 téléphones en même temps, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas la wifi d'ailleurs. Il n'y a pas de wifi parce que tout simplement ça prendra ton électricité. Pas ma faute. C'est la faute de la consommation. Oui, bon, lui il nous répète les tableaux blancs. Oui, mais miam miam les tableaux blancs. On a compris. Bon, je vous avoue que moi j'arrive à une heure quasiment d'épisode. Je pense que je vais m'arrêter. Si là encore ils nous demandent encore de faire quelque chose, je vous avoue qu'on va peut-être arrêter là quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si jamais. Parce que là, bon, j'attends de voir ce qu'il nous dit après, mais. Mais n'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais cet épisode vous aura plu. Enfin, cet épisode, c'est même pas un épisode, c'est une découverte. Mais si vous voulez d'autres vidéos. Oh putain, comment il pose à être putain de porte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler. Ça fait toujours plaisir. Alors, tandis que ça met un joli petit tableau blanc. Ok, c'est bon là. Il faut 2 tableaux blancs. Ah, excusez-moi. Mon mauvais, comme on dit là. Comme ils disent les Jones là. Oh, mon mauvais là. Ouais. Yes. Énorme. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, bah c'est bon, j'ai dit de le mettre là. Voilà. C'est bon. Faites un tableau là. Miam. Regardez ça. Un magnifique tableau pour les scientifiques là. Regardez ça. C'est scientifique incroyable. Regardez ça. Ils attendent ça. Ils attendent qu'un tableau blanc là. Ils sont tellement occupés à faire des recherches sur le. Sur rien. Sur rien du tout, mais voilà, ils sont concentrés, hein. Je vous jure qu'ils servent. Je vous promets. On a vendu quelque chose? Yes. En tout cas, là, regardez, cette consommation électrique d'une centrale nucléaire. Il n'y a pas de problème. Au départ, ils nous demandent d'en mettre 3. Ils n'ont jamais demandé d'en mettre plus. Ah! 63. Mince. Ah. Petit problème. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est vous lui qui avez pas d'électricité, c'est pour l'écologie. C'est pour l'écologie, bien sûr. Choisissez un projet de recherche et mettez vos scientifiques au travail. Je vous suggère de commencer par accroître la capacité d'accueil de votre base. Mais bien sûr, je m'en remets bien sûr à votre cruelle sagesse. Bien sûr, on va regarder ça. On peut avoir une zone de stockage plus grande, avoir des améliorations de génie, améliorations de homme de main, râteliers à matraque incapacitante, bien sûr, des râteliers à matraque, puisque là on ne le sait pas, mais vous le savez pas, mais il y aura des héros qui vont venir dans notre base pour essayer de nous contrecarrer nos fameux plans diaboliques et machiavéliques. Mais pour l'instant, on n'a pas vu cet aspect du jeu, malheureusement, et je pense pas qu'on le verra dans cette découverte. Donc il y aura peut-être une découverte 2, écoutez. C'est fort probable.
Y a pas un truc pour l'électricité? Attendez, y a peut-être un truc pour l'électricité là-dedans. Porte laser. Non. Ouais, l'électricité, la condensateur, ça fait quoi ça? Fournit de l'énergie de secours. À la base, si votre générateur rencontre un problème, moi, il me faut juste plus d'électricité en fait. Non, on ne voulait pas, d'accord. Bon, bah écoutez, on va voir les capacités d'accueil parce qu'apparemment. Je vous sers, j'ai commencé par avoir dans la capacité d'accueil. Ok, mais c'est quoi la capacité d'accueil? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, je te le fais, moi. Ça permet de quoi? Ça permet un plus grand nombre de sbires stocker leur équipement au dépôt, ce qui augmente la capacité de base. Bon, ok. Les recherches demandent du temps. Scientifiques, putain, reviendront quand ils auront terminé. Alors, rationnez les pour poursuivre vos plans de domination mondiale. D'accord. Vous disposez de puissantes aptitudes pour influencer votre avantage. Pour influencer encore davantage votre entourage. Sélectionnez votre génie. Je prends mon génie. Bonus nerf. Cette attitude accroît la priorité et la vitesse de toutes les tâches dans votre zone d'influence. Rejoignez une zone très active de votre base, comme la salle de contrôle et activez l'aptitude. Ordonnez aux sbires de donner la priorité aux tâches à proximité. Ok. Attendez. On va aller là-dedans. Voilà. On a plus d'énergie, mais tout va bien. Tout va bien. Et on va aller dire, le nerf. Miam. Voyez comment vous dire, à court pour se mettre au travail. Cette méthode ne peut être très utile quand vous aurez besoin de renoncer à un peu pour exécuter votre phase. Si votre génie n'est pas dans une salle à brouiller, c'est le où la tâche ou des tâches sont intéressées. D'accord. Très bien. J'ai compris. Super pouvoir, miam. Ok, super pouvoir, ça fait des choses. La vitesse, les sbires moins feignants. Est-ce qu'il peut aller là? Est-ce que ça marche s'il va là et qu'il dit son nerf? Ah non, il peut pas parce que ça recharge. Mince. j'aurais voulu qu'il l'ait. Regarde-moi ces beaux moteurs qui ne tournent plus. Ils tournent, mais bon, pas suffisamment. Malheureusement, nous manquons un peu d'électricité. Motivé vos sbires. 0%. Attendez, ils vont être motivés. Miam miam. Ouais, ça. La productivité. Il ne marche pas apparemment. Ça ne marche pas là. Si ça marche, je sais pas. Motivez vos sbires, bah oui mais je motive là. Mettez-vous au travail, écoutez. Moi je leur demande d'aller au travail. Ah oui mais c'est parce que comme il n'y a pas d'électricité, ils peuvent pas. Ah quel plaisir. J'ai compris pourquoi ils peuvent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité. Parce que. Est-ce que si je fais un truc d'une dinguerie incroyable? Ok, c'est pas grave. On va faire plus d'énergie. Parce que le problème, c'est que notre boss, bah il est bien sympa, émotif, mais. Mais pas trop. Y a pas d'électricité, y'a rien qui fonctionne. Oui. Mais vous avez dit travailler. Mais y'a plus d'électricité, pas trop. Y'a plus d'électricité, comment qu'on fait? Ah oui, petit problème, hein, effectivement, quand y'a plus d'électricité. C'est un poil difficile, effectivement. Mais là, regardez, on va voir l'électricité, là. C'est incroyable, on va avoir plus 10, là. Oh, plus 10, là. Regardez ça, là. Ils vont arriver, ça va être la masterclass, là. Vous êtes subjugué par tant de génie qui consiste juste à agrandir ça. Voilà, regardez ça. Là, je fais lui, et bam. C'est bon, là, regardez ça, incroyable. Ouais, ils sont motivés de ouf, là. Incroyable. Regardez-moi ça, ils sont motivés, là. Les plans annexes sont des objectifs à attendre débloquer de puissantes nouveautés pour votre empire. N'hésitez pas à les regarder. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Les plans annexes des présentations des gardes. Alors, commencez par tout apprendre sur vos gardes. Et bon, je vais découvrir de nouveaux types de sbires. Alors, objectif, tout savoir sur les gardes. Nouveaux types de sbires, gardes. Vos sbires sont faibles, c'est pitoyable, personne ne pourrait les bocaux, pas de concours de bras de fer et on ne parle même pas de portée des corps. C'est simple, j'ai honte à chaque fois que je les vois en action contre un agent. Il nous faut de vrais gardes. Ok, donc c'est même pas le méchant qui parle, c'est juste le jeu qui nous parle nous-mêmes quoi. D'accord, commencez le point annexe. Ah, il nous faut un peu plus de muscles par ici. Vous là, quel poids êtes-vous capable de soulever?
D'aller 70 kilos quand je suis en forme, hein. Et 80 si je peux suivre mes deux bras. Et combien de blessures par balle pouvez-vous encaisser avant de jeter l'éponge? Une, peut-être deux, trois dans mes grands jours. Exactement. Débarrassez-moi le plancher. Trouvez-moi quelqu'un de vraiment fort et découvrez son secret. De nombreux objectifs exigent que vous déployiez différents types de sbires pour exécuter des machinations spéciales. Accédons maintenant à la carte du monde. Bon, écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première découverte. On aura peut-être une découverte 2 parce que j'aimerais bien finir la découverte au moins avec l'invasion des héros dans l'antre machiavélique quand même. Parce que bon, là on a vu qu'un aspect du jeu, ce qui est l'aspect un peu gestion entre guillemets. Mais il y a vraiment un aspect voilà, donjon, défendre son antre, donc ça peut être très intéressant. Donc, je pense qu'on va faire une deuxième découverte. Si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir quand même, hein. Vous pouvez bien sûr partager, ça nous fera grandement plaisir, et sur ce je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.